La sexualidad femenina, un espacio en Radio Tentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1:40 de la madrugada en la sintonía de Radio Tentación. Bienvenue à la sexualité féminine, un programme de radio avec les psychanalystes Elena Trujillo. Elena, bonjour. Bonjour. Et Clémence Lenis, psychanalyste de l'école de poésie et psychanalyse Grupo Cero de Madrid. Donc aujourd'hui, nous allons parler un petit peu de la poésie et de son rôle essentiel pour la vie des femmes. Tu aimes la poésie? Mais ce n'est pas pour ça que je me laisse embarquer par la poésie. Ce n'est pas seulement une question d'amour. Uh-huh. C'est une question de position sociale. L'autre et amont, Isidore Ducasse, nous a dit que la poésie devait être faite par tous. Mais Menassa, avant toute chose, nous recommande et nous dit que la poésie doit être lue par tous. Mm-hmm. C'est le premier pas, n'est-ce pas? Commençons déjà par lire. Donc nous vous rappelons que vous pouvez découvrir la poésie et l'écriture en général de Miguel Oscar Menassa en français, traduit par Claire Deloupie, dans la revue de diffusion gratuite « La santé, c'est la poésie, c'est la santé ». Donc avec ce titre-là, dans Google, vous pouvez trouver et découvrir. Nous sommes déjà en train de préparer le numéro 33 de la revue. Merveilleux. C'est très bien, oui, nous résistons, nous résistons. Chantez, poète, votre parole peut arriver au moment précis. Désarmer un assassin, armer un frère, dénoncer. Dénoncer aux quatre vents l'inhumanité, le massacre silencieux. Voilà le principal rôle de la poésie. C'est-à-dire que sa position, la poésie, c'est avant tout un instrument pour dénoncer et pour montrer le monde, pour décrire le monde dans lequel nous vivons. Pour que dans le futur, les hommes et les femmes puissent savoir ce que nous avons vécu, ce que nous vivons aujourd'hui. C'est le rôle de la poésie. Mais il y a une femme, un homme qui ne veut pas savoir la vérité. Effectivement, il y a des hommes et des femmes qui ne veulent pas savoir la vérité. Qu'allons-nous faire? Donc nous nous occupons des gens qui veulent réussir à toucher un coin de leur humanité, un espace d'humanité, pour pouvoir vivre un petit peu d'une autre façon, d'une façon un peu plus humaine que le monde si humain dans lequel il nous propose de vivre. Mais nous pouvons oublier que la possibilité de transformation est la même chose que la salut. La santé. Que la possibilité d'une transformation, pour la psychanalyse, c'est un facteur de santé. Oui, il n'y a santé sinon... S'il n'y a pas de transformation. Oui. Que la transformation... Le travail. Un travail pour pouvoir se transformer. Pour transformer notre intelligence et notre relation avec le monde. Avec le monde et avec les autres. Oui, parce que... savoir sur notre monde et nous connaître à nous-mêmes et la possibilité aussi de connaître la réalité. Mm-hmm. Ok, c'est un point. Et pourquoi faut-il connaître la réalité? Pourquoi est-il nécessaire de connaître la réalité? Parce que si tu n'as ce travail, si tu ne fais pas ce travail, tu n'es un humain. Tu n'es pas un être humain. Tu es un animal. Un animal, exactement. Pardon. On ne juge personne. Je diagnostique ton infirmité, ta maladie rapidement. La maladie de ne pas vouloir avoir accès à notre humanité. C'est pour ça que nous recommandons la psychanalyse. La psychanalyse est une discipline. La poésie est une discipline. L'amour est une discipline. Nous le savons et nous voulons le faire savoir à quelques jeunes et aux têtus. Pour pouvoir travailler comme psychanalyste, pour pouvoir être entraîné par la poésie en permanence, être à la découverte, à la nouveauté et finalement pour se laisser aimer par un monde affamé d'amour, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de discipline. Donc voilà le programme. Oh Clémence ! Voilà le programme pour aujourd'hui. Et pourquoi la discipline ? Parce que la discipline et la psychanalyse sont obligatoires, parce que quand on parle d'aliénation, on dit que l'aliénation, c'est très intéressant parce que Menassa vient nous, ou la psychanalyse vient nous montrer que l'aliénation fonctionne en nous, parce que on nous explique que ce n'est pas quelque chose que les puissants, disons on va les appeler comme ça, nous enlèvent, mais c'est parce que c'est ce qu'ils nous obligent à faire pour eux. C'est-à-dire qu'ils nous font penser comme eux, ils veulent que l'on pense. D'où cette quantité de préjugés, en général, qui dirigent nos vies. Ah, je comprends. Alors, la nécessité de travailler pour la santé, et pour la poésie, et pour la transformation. Exactement, parce que sinon, on ne fait que vivre pour les puissants, comme eux, ils nous ont dit de vivre. Donc, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est en nous, qui fonctionne en nous, qui ne nous appartient pas. C'est quelque chose qu'eux, ils nous incultent depuis tout petit. Non, par exemple, en annihilant notre possibilité de création, comme on le voit chez les enfants. Et en plus, c'est quelque chose dont on ne jouit pas. C'est-à-dire qu'on travaille pour eux, on fait comme eux ils nous disent, mais on n'en jouit pas. D'où le mal de nombreuses personnes qui pensent qu'ils ont fait comme ils devaient faire, ils ont fait la vie qui était prévue pour eux, et pourtant ils ne sont pas capables d'en jouir. Et tu dis que est nécessaire une révolution, un moment, s'il vous plaît, que psychanalyse. Se psychanalyser. Se psychanalyser, c'est comme une révolution parce que il est un humain libre. Pour gagner un peu de liberté, effectivement. C'est une possibilité pour gagner un peu de liberté, pour s'échapper à cette idéologie dominante. Effectivement, exactement. C'est pour ça qu'on a ramené aussi un texte de Menassa qui s'appelle un extrait de son livre Poétique de l'exil, qui nous décrit et qui est un petit peu la situation dans laquelle nous vivons. Si nous cherchons quelque chose, nous cherchons tout ce qui nous manque, non seulement l'inconscient, non seulement les tièdes parfums de notre enfance, non seulement le battement fugace d'un désir interdit. Nous voulons avoir, parmi nous, toute notre vie. Un corps fait aux avatars des destins. Un mot plus près du sang que des mots. Entre nous, nous voulons avoir comme la fleur aztèque poussant dans le désert, comme une lumière incertaine en pleine obscurité, certains vers inoubliables. Nous savons cependant que vivre est toujours un projet délirant. Tout est bien et tout est mal. La femme, l'homme, débat son être entre le peu de mots qu'il connaît. Une espèce de petite prière au milieu du tumulte, un petit Dieu sur le point de mourir contre l'immensité des particules atomiques grandissant partout. Le bison sanglant d'argent sur le point d'éteindre, dernier troupeau de lumière au bord du fusillement. Sur le point même de prononcer ses premiers mots, nous sommes, nous avons été ce qui meurt de l'homme, la solitude. Et en résumé, c'est aussi un pacte avec quelqu'un, une conciliation de la lettre avec la politique. Moi, c'est zéro, ça n'a pas d'explication. Ça ne peut se réduire à rien qui se termine. À l'univers, pas non plus. Cadenas d'ouverture. Moi, c'est zéro. C'est mise en scène de ce qui vient de commencer. Nous sommes à l'époque du frisson. Celui qui parle, y gagne. Celui qui écrit est en solitaire. Nous sommes à l'âge où le vrai se confond avec l'action. Le reste, pour l'instant, nous devons le savoir. Psychothérapie pour les âmes inexpertes, pour ceux qui, encore sans le vouloir, et comme supportant un malheur, soutiennent l'idéologie dominante. La grande idéologie, celle qui est imprimée dans les protéines du lait. Et action voudra dire alors transformation radiante, vérifiable dans le champ des relations sociables, où nous avons dit se développe l'éthique des puissants. Donc c'est un résumé, ce texte, c'est un résumé, enfin c'est un résumé ou plutôt c'est ce qui ouvre de nombreuses portes pour pouvoir penser le pouvoir de cette grande idéologie qui nous domine et qui ne nous permet pas de jouir de la vie. Donc il ne peut nous permettre aucune liberté évidemment, et que la psychanalyse c'est actuellement le seul instrument possible pour justement désarçonner d'une certaine manière. Pourquoi seulement la psychanalyse, c'est l'instrument... Parce que c'est la seule qui écoute et qui prend conscience de l'inconscient. C'est-à-dire que c'est la seule... Et la théologie est dans l'inconscient. Et l'idéologie, c'est quelque chose d'inconscient, effectivement. C'est quelque chose qui est transmis, là, il le dit, par les protéines du lait. C'est-à-dire que c'est le rôle de la mère, qui la mère va nous transmettre l'idéologie de l'État. Et en plus, on dit même que la mère, des fois, est pire que l'État, parce qu'elle veut à tout prix que ses enfants respectent les règles, que ses enfants fassent ce que l'État ordonne de faire. C'est-à-dire que elle transmet, parce qu'elle aussi, elle transmet pas ce que consciemment elle pense de l'État, sinon qu'elle transmet son inconscient, sa propre histoire, son inconscient. Donc c'est une chose à la base où c'est très difficile d'échapper, de pouvoir se libérer quelque part, de faire, comme tu disais, sa propre révolution sans utiliser l'instrument psychanalytique, c'est très difficile. Et tu dis aussi que l'instrument psychanalytique est très recommandable pour la femme. Et recommandable énormément pour les femmes parce que la femme, c'est l'être opprimée pour la morale. C'est l'être réprimé par la morale, effectivement. Les maladies neurotiques de la femme, c'est un produit de la morale. C'est un produit de la morale. Et c'est un produit de la morale de réprimer la femme pour que elle, et c'est pour ça qu'elle a énormément, la femme, de difficultés pour échapper justement à cette emprise de l'État sur elle qui veut que principalement elle fonctionne et pour la reproduction de l'espèce. Parce que nous sommes en cycle 20, au 21e siècle, et la femme, elle n'y a pas libérée. Non, la femme n'est pas encore libérée. Non, nous espérons que... Et en plus, nous savons que non seulement elle n'est pas libérée, bon, il y en a quelques-unes qui ont réussi à prendre un peu d'oxygène, mais que dans ces époques de crise, dans ces époques où on opprime de plus en plus toute la société en général, ceux qui souffrent le plus de toutes ces répressions sociales sont les femmes, les vieux et les enfants. Et je lis aujourd'hui que les femmes sont les plus impactées, la plus touchée pour la crise. Par les crises, par les guerres. On dit qu'une guerre, ce n'est pas seulement des livres ou des pensées qu'on a brûlées, sinon que c'est une façon de reculer la révolution féminine qui doit arriver, puisque c'est la révolution qui n'a pas encore été faite, c'est la révolution féminine. Et c'est celle qui, normalement, devrait donner une option pour que l'humanité puisse avancer. Mais nous savons aussi que le monde existe et que dans ce monde, il y a plein de petits autres mondes. Donc il y a des petits groupes, des petites sociétés qui arrivent à vivre d'une façon et à s'établir d'une façon différente. C'est-à-dire que tout le monde, nous ne vivons pas tous pareil. Nous avons établi des rythmes différents. Un poème. Je vais te lire un poème qui continue à parler un petit peu de notre situation actuelle. Ah non, tu me dis que le temps, ça y est, c'est fini, que nous n'avons plus le temps, donc nous devons le laisser pour la fois prochaine. Donc, nous vous recommandons, vous pouvez nous écrire à la sexualidad femenina radio@gmail.com, la sexualidad femenina radio@gmail.com, pour nous contacter, pour avoir accès à la psychanalyse, si vous le désirez. À très bientôt, donc nous continuons la semaine prochaine. Au revoir, Elena. Au revoir, Clémence. À très bientôt. À bientôt. La sexualidad femenina, un espacio en Radio Tentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1:40 de la madrugada en la sintonía de Radio Tentación. Con Servicios LUNIS, aprende un idioma con profesores de calidad. Disfruta de las ventajas de las clases por Skype. ¿Por qué elegir una buena profesora? Porque una buena profesora transmite y eso facilita el aprendizaje. Ahorras dinero y ganas tiempo. Aprende bien y rápido. Los 2 meses que llevo en estas clases me ha ayudado muchísimo. Te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás. Los diálogos, los debates creados en clase, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Te mantiene siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender. Y bueno, con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto. Os la recomiendo. Y realmente la recomiendo al 100%. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti.